Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir dans le cannabis légalement partout dans le monde. En fait, il y a quelques semaines, je suis tombé sur cette plateforme qui permet d'investir dans le cannabis avec de très très hauts rendements. Et pour assurer mes arrières et pour te prouver si ça me fonctionne, j'ai décidé de faire cette vidéo un peu comme preuve si cela a fonctionné pour moi. Bon, pour l'instant, j'ai vu aucun mauvais témoignage sur cette plateforme. C'est pour ça que je rajoute le mien pour voir si ça fonctionne aussi pour moi. Du coup, ça s'appelle Jucifilz. Je te mets le lien dans la description si tu veux investir. N'oublie pas que cela comporte des risques. Je vais te montrer un tuto où je vais investir moi de ma poche 1000 euros. Alors voici comment se présente la plateforme. Elle est super simple à comprendre. Là, vous avez toutes les plantes que vous pouvez acheter. Au final, c'est la Juicy Flash. C'est la moins chère qui est le plus rentable. Parce que c'est où il y a des récoltes le plus rapidement possible. Et au final, quand vous calculez la rentabilité en pourcentage de toutes les plantes, au final, c'est la plus rentable. Alors moi, j'ai acheté les deux autres plantes que j'ai actuellement sur Binance en USDT. Bon, il y a 10 euros de frais de transaction par transaction. Mais je voulais aller vite parce que les virements, il me semble que ça doit prendre un ou deux jours ouvrés. Bon, on achète les 900 euros, hop. On peut prépayer par virement, Bitcoin, Ethereum ou USDT. Mais il me semble que USDT, c'est où il y a le moins de frais. Après les virements, je pense qu'il y a moins de frais, mais je voulais que ce soit tout de suite. On clique. Hop, là, voilà. Vous avez l'adresse de transaction, le montant, tout ça. Je vais vous montrer en live comment ça marche. On copie l'adresse. Alors, on regarde bien l'adresse, si vraiment c'est la bonne adresse. On regarde les quatre derniers chiffres, 2907, c'est bon. Alors, on sélectionne bien le réseau ETH, sinon je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Alors, on ajoute le montant, bien sûr, qu'ils ont demandé. Et on rajoute 10 $ de frais de transaction, parce que c'est les frais de transaction du réseau. Bon, vous cliquez sur retrait, là, ils vont me demander de confirmer, je vais passer. Alors, voilà, vous pouvez voir la transaction qui a bien été faite. Et elle est estimée environ 5 minutes. Du coup, on se retrouve dans 5 minutes pour voir si j'ai bien les plantes. Alors voilà, on peut voir que ça a bien été payé. Alors voilà, j'ai bien mes 20 plantes de plantées. Du coup, on va aller dans la serre. On peut voir le cycle de la plante qui va commencer dans 3 jours parce qu'il plante le mardi et le vendredi, il me semble. Du coup, voilà. Et on peut voir le cycle en détail de la plante jusqu'à la récolte. L'entrepôt, c'est où ma plante, elle sera dès qu'elle sera plantée, en fait. Et le calendrier, c'est où je pourrai récupérer ma récolte le 22 juillet. Du coup, voilà, et l'assistance. Bah, bien sûr, si vous voulez, avez un problème, vous contactez l'assistance. Alors voilà, les 1000 euros sont bien investis dans la plateforme. Au bout de 3 mois, je devrais toucher 1350 euros au minimum. Du coup, ce qui fait un rendement de 35% en 3 mois, ce qui correspond à 140% par an, c'est vraiment énorme. Bon, je verrai si je réinvestis ou je retire mon argent au bout des 108 jours. Je vous referai une vidéo. Si vous voulez investir dans la plateforme, je vous invite à utiliser le lien qui est en description. J'essaierai de négocier peut-être un lien d'affiliation. Du coup, je t'invite à liker, t'abonner si tu veux savoir la suite de l'aventure Jucifilz ou si tu as d'autres plateformes à me conseiller et n'hésite pas à écrire un commentaire.